Ladies and gentlemen, go! Ok. Et médite longuement. Et salut à tous, c'est John Cena! Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. C'était plus fort que moi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui sur... Mr... John! Désolé. Mr... President! Nous sommes toujours le même garde du corps que celui qui doit protéger Donald Trump de se faire assassiner, sauf que là, nous ne sommes plus vraiment, comment dire, c'est pas que nous devons le protéger, mais plutôt lui faire une bonne descente du... Enfin, ou de la cuisse de Fanny. Le mec qui a fait le jeu, je pense qu'il a dû s'inspirer de... justement du moment où Donald Trump était vite fait de passage à la WWE lors de WrestleMania 23. Foudre d'Oubaga, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, Donald Trump! Coup de la corde à linge de Donald Trump, je ne pensais jamais dire un jour cette phrase. Là, on part sur une bonne descente de la cuisse. La cuisse. Hulk Hogan. Avec une petite vrille en l'air façon AJ Style. C'est parti. Oh là. Ah, raté. Dommage. T'as de la chance, Trump. Voilà donc en quoi consiste. Ah putain, je me suis pris le coin comme un con. En gros, voilà en quoi consiste ce mode de jeu. On bat les couilles, frère. Heureusement que les spectateurs ont arrêté la barrière. Ils sautent, ils arrivent à tout. Oh putain, oh, comme je l'ai dégagé grave loin la barrière. Jeff Hardy qui repart. Jeff Hardy qui... Oh et putain, on pile dans le coin, ça fait mal. Jeff Hardy qui repart. Jeff Hardy. Merci le Redneck d'avoir arrêté ma chute. Jeff Hardy qui repart pour un saut. Jeff Hardy qui loupe et qui s'écrase dans le coin comme une merde. Oh putain, mais c'était quoi ce truc? Je me suis fait arrêter par un mur invisible ou quoi? Mais merde. Allez, cette fois-ci, ce sera la bonne. Oh, magnifique. This is awesome. Oh, la Swanton. Oh, le sandwich. Oh, j'ai fait un sandwich Trump. Un petit replay là-dessus. Holy shit! On y va. Et... Aïe, je vous ai raté, monsieur Trump. Vous avez de la chance. Et le spectateur qui s'en bat les couilles totalement. Ouais, tu bourrais. Cette fois-ci, ce sera la bonne. Oh, le headshot. Oh, magnifique. Oh, ce headshot. À la Clark Kent. Je suis une hardcore legend, comme ils le disent. On a déjà fini le premier niveau, en fait. Vous voyez que ça va très vite, hein, quand même. Avec des échelles, maintenant, on passe au niveau au-dessus. Vous voyez, genre, en mode hardcore voltigeur. Oh, 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 cette descente du cou. You know he's sexy. Ah, ça, je vois, c'est en référence à qui. I know I'm sexy. I've got the look. The drive so cool while I've got the mood. C'était d'ailleurs mon catcher préféré. Oh putain, cette prise incroyable, mais dans le vide, c'est con. Hein. Si t'as réussi à devenir catcheur, c'est pas pour rien, t'y arriveras. Et la descente du coude dans le vide. Oui, parfait, bravo. Eh, j'y arrive pas, c'est pas évident. Putain, mais comment on fait avec cette merde? Et le jump, la descente du... Sinon, depuis, je suis plus trop le catch. Je sais que sinon, bon, ouais, qu'il y a la shield, enfin, qu'il y avait eu la shield à un moment... enfin, un trio... Eh ben mon gars, si t'arrives même plus à monter sur une échelle, on est mal barré là. Enfin ouais, il y a des jeunes catcheurs maintenant qui sont pas mal aussi, qui sont très bons. Mais bon, pour moi, rien ne vaudra Shawn Michaels. Et la descente du coude. Oh. Et il a rebondi par-dessus la troisième corde. Ah oui, là, on passe encore au niveau dessus, comme si ça ne suffisait pas de mettre des échelles. Maintenant, on a sorti la Cage of Death. On est bien positionné et il fait son saut de la mort. Quoi? Mais je l'ai touché! Putain, et vous trouvez pas qu'il ressemble à Ric Flair un peu? Vite fait. Donald Trump, je trouve qu'il ressemble à Ric Flair. Un peu plus jaune par contre. Vous remarquez que quand il est genre mal positionné, un peu en déséquilibre, c'est... Voilà ce qui lui arrive. Il se décompose littéralement sur place. Et il tombe comme une grosse merde sur la barrière. Jeff Hardy est en haut de l'échelle! Ne me dites pas qu'il va faire ça! Oh mon dieu, non! Jeff Hardy! Allez Jeff Hardy, faut pas des... Ok, Jeff Hardy, faut que tu te mettes à sauter quand même, sinon on va pas s'en sortir. Oh, t'es à deux doigts de tomber, mon gars. Oh, t'es à deux doigts de tomber. Oh, déconne pas. Voilà. Et... Oh, oh ce face-pel... Holy shit! Là, on est bon. Et... Oh, oh, le leg drop de la mort. Oh my god! Comme ils disent les commentateurs américains. Oh my god! Attention, il monte. Jeff Hardy. Jeff Hardy. Jeff Hardy. Oh...
1, 2 et 3 victoires de Jeff Hardy. The new WWE World Heavyweight Champion. Oh oui, alors là, comme si ça ne suffisait pas, plus besoin d'échelle, on va carrément mettre Donald Trump sur les barbelés là-bas. Ben vous voyez lui là, le gars là, vous voyez? Eh ben je vais le conquérir. I conquered him. Vous allez le voir, je vais le conquérir. Shawn Michaels qui prend son envol. Shawn Michaels qui prend son envol. Shawn Michaels qui prend son envol. Oh, cette descente du coude. Oh mon dieu. Oh my god. Il prend son élan. Mais c'est quoi ce truc? Il s'est bloqué sur un sort de mur invisible. Ça, c'est quand même un reproche que je pourrais faire au jeu. J'arrive. Mon dos. Merde. Aïe. Il se lance. Relanche. Oh. Je me suis brisé la nuque. Putain, la jambe qui part. Vous êtes témoin. Il y a eu un mur invisible au-dessus des cordes du ring. Vous êtes témoin, vous l'avez vu. Oh oui, magnifique. Là, c'était une belle descente du coup. Ça, c'est... Oh putain, comment je suis retombé en dehors du ring. Donald, ça va? Appelez une ambulance. Ah ouais, faut que je fasse passer à travers la table. Là, on passe vraiment en mode... Merde, quel con. On passe en mode ECW. Ladies and gentlemen, go. Ok. Il médite longuement. Non, mais je l'ai touché. Et la descente du coude. Magnifique. Par contre, c'est moi qui ai pris le plus cher, là. Je me suis fait ensuvelir par la table. D'ailleurs, c'est même pas une table en bois, là. C'est une table en marbre. Et en plus, il y a Ric Flair qui m'est tombé dessus, quoi. Merde. La puissance. Merde, j'ai raté. Ah putain, je me suis fait super mal, en fait. Je suis tombé sur le coin de la table. La puissance. Oh oui. Alors là, je l'ai mouché. Alors là, je l'ai bien mouché. Holy shit. J'aime bien ce public, ils mettent de l'ambiance. This is awesome. This is awesome. Aïe. Merde. Il se lance. Et là... Oh putain, cette violence. Oh, c'est énorme. Oh, je kiffe ce jeu. Oh, le splash. Énorme. Le headbutt. Oh. Eh hey, mais je kiffe ce niveau. Si je ne fais que juste sauter sur lui, il se passe quoi? Ah ouais. Attention et... Oh, le headbutt à Chris Benoit. Enfin presque. On va essayer de faire une petite vrille pour finir. Je me suis niqué tout seul. Aïe, j'ai mal. Aïe. On va recommencer. Yeah! Oh oui! Oh, ce Swanton Bomb! Oh my god! Ce Swanton Bomb de l'avant, mais regardez comment on a tout explosé, on a pété les trois étages! La violence de ce truc, énorme! Oh! Merde! Je suis tombé! Merde! On peut la refaire? En plus, ouais, pour le prix que c'est, putain, mais ça fait deux fois qu'il se loupe de la même manière! T'es con, mec! T'es grave con! Mec, écoute, tu veux devenir champion du monde ou pas? Si tu veux avoir du skill, faut déjà pas passer de l'autre côté du ring. Merde, ça roule, mec. On bat les couilles, frère. Eh merde, putain, mais il a des guimauves à la place des jambes ou quoi? Oh, you touch my tra-la-la. Wow. My ding-ding-dong. On a tous envie de baiser, là, tu vas trop vite. Des larmes coulent sur mon sperme. Hello, darkness, my old friend. Allez, on va y arriver. Ou pas, on va y arriver, on va faire une belle descente du coude, je vous dis. Et bien voilà les gens, on va se laisser ici pour cette vidéo. Je sais, elle aura été courte, mais néanmoins, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Surtout que je sens que je vais bien en chier au montage, là je sens que je vais avoir pas mal de boulot. Donc c'est vrai qu'un petit like, bah, ça fait toujours plaisir, ça aide et ça soutient. Si vous voulez une deuxième vidéo sur ce jeu, eh ben n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires. Et puis, je vous donne très bientôt rendez-vous pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous.